Bonjour, c'est Murcio, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo. Enfin, je vais faire un petit embellissement avec vous, avec un morceau de plastique transparent, les couvertures, vous savez, pour comment les couvertures transparentes pour faire les classeurs de projets différents, comme les livrets de stage, etc. Ou vous pouvez prendre des boîtes plastiques. Ou alors les transparents qu'on fait les vidéos, projecteurs, etc. Voilà, pour ça, il ne faut pas grand-chose. Donc, j'ai coupé un morceau de plastique de 7 cm sur 10 cm. J'ai pris dans mes récup un morceau de ruban noir, un rouleau de washi à carreaux. Il voudra sûrement un petit peu de colle et j'ai pris un petit peu de récup, une image. J'ai pris une petite fleur. Et puis j'ai pris un petit morceau de dentelle. Et s'il faut, on rajoutera autre chose. Voilà. Alors, je vais prendre mon washi. Et je vais me mettre tout autour de mon plastique transparent. On va essayer de bien le mettre droit. Effectivement, comme c'est transparent, c'est le cas de le dire. Alors, mes ciseaux, où sont-ils? Évidemment, j'ai tout préparé et j'ai garé mes ciseaux. Bon, je vais prendre les gants, c'est pas grave. Je vais faire ça sur tout le tour de mon plastique. Après, vous pouvez faire sur tous les thèmes que vous souhaitez, hein. Je vais le faire sur ce thème-là, un peu vintage. Moyen de recycler là, sur le haut et le bas. Je vais faire la moitié sur un côté et l'autre je vais le mettre entièrement. Oui, rien de bien sorcier, on peut faire avec toute la récup possible et imaginable. J'ai trouvé ça assez chouette. Boulot. Voilà, on va refaire la même chose sur le haut. J'espère que je suis dans le bon champ de vision et que ma vidéo sera bien tournée. Hop. Et là, je vais remettre un bout pour cacher un peu. Voilà, vous mettez la quantité plus ou moins importante que vous souhaitez. Voilà, allez, on en met un petit bout ici pour le fun. Et voilà, ça fait style un peu un genre de petit cadre photo. Vous voyez, tout en transparence. Alors moi j'ai choisi donc une image un peu rétro vintage. Dans ma boîte à foufre, j'ai récupéré un petit morceau de dentelle et une petite fleur comme ceci.
Donc, je vais mettre un peu de colle pour mettre la dentelle. Attendez, je ne sais pas si je vais la mettre en haut ou plutôt là. Mais je pense que je vais la mettre à ras. Ça sera peut-être un peu plus joli. Sur la colle, c'est la fin, donc c'est compliqué. Bon, ben, je pense que je vais employer les grands moyens et sortir le grand flacon. Enfin, si elle veut sortir aussi, décidément. De dentelle. Ensuite, je vais venir y mettre ma petite image là. Donc, et ma petite fleur, je vais la mettre peut-être ici. Alors, on obtient déjà ce résultat. Ensuite, je vais venir percer un trou ici et puis mettre mon petit ruban. Donc à peu près, donc il fait, on a 17, à peu près là. Hein. Bon, ben, je vous dis, il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Hop. Un petit trou. On y glisse notre petit ruban. Et voilà, on peut mettre un sentiment, on peut, enfin, moi j'en ai pas sorti, mais éventuellement on peut mettre un sentiment aussi. Donc voilà mon petit embellissement avec du papier plastique tout simplement, du washi, une petite image. Et on peut varier les sujets, les plaisirs avec tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour mon retour. J'espère que vous reproduirez ce gabarit. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.